وعلى اساس سون دونجي تبون انتم تعرفوا يا جماعه الخير انا نقولها لكم انا جو سوي سانسير انا جام مون بي انا ماني رابح والو انا راني مرمي في لترونجي ماني نشوف مي بارون ماني نشوف مي زونفان راني انا ما كاينش واحد بالغ راه محكور فيكم كيما انايا وجامي ما نشتكي وما نهضرش على روحي باسكو مو مو جي اون كونسيبسيون ايليفي دو لانتيغي جينيرال مو دابور سي لالجيري ensuite c'est moi. Ma personne ne doit pas obscurcir ma lucidité ne doit emmerder les Algériennes et les Algériens qui lisent Algérie partout là qui nous suivent dans nos émissions parce que c'est l'intérêt général d'abord. Je voulais vous dire ben ana marani ma'a tabboud marani ma'a al-amamra marani ma'a shingal ana marani ma'a hatta wahed ana marani ma'a l'intérêt général de mon pays. Tabboud علاش nous a eu peur parce que tabboud il veut faire un deuxième mandat. Tebboune veut rester au pouvoir. Tebboune, il sait très bien que si d'ici 2024, le mandataire, il classe en 2024. Si en 2024, il n'est pas assuré de rester encore pour un deuxième mandat, le Kent Abdelmajid Tebboune, il sort de la présidence. Il sait très bien que capable, il rentre le Habs. Tebboune a au moins une chance sur deux de se retrouver en prison s'il quitte la présidence. Pour la simple raison que l'armée va le sacrifier. Il y aura la colère populaire à cause de la situation économique déplorable, les scandales de corruption qui ont éclaté dans l'entourage de Tebboune, le scandale du phosphate, les scandales de Sonatrac, les affaires de Sonalgaz, les affaires du ministère de l'énergie, les mensonges sur la gestion économique du pays, le sabotage des grandes compagnies qui sont à Algérie, les gros problèmes de mauvaise gestion, Tebboune va finir ça hakda. Lo kan Tebboune اليوم يخرج من رئاسة الجمهورية. يعني نقولها لكم باللي Tebboune يخرج من بالي بريزيدونس هاد المرادية يلقى روحه في الحراش ديريكتومون. وهذه على بالو بها Tebboune. وانا بالك الناس اللي ما يعرفوش Tebboune وما يعرفوش حكايته، جو في لو رافريشير لا ميموار. اي جو مادريس دون سو ميساج ا مسيو Tebboune اون بيرسون. شير بريزيدون دو لا ريبوبليك. Rappelez-vous le 10 septembre 2017. Où je kan rah yisra le 10 septembre 2017. Le 10 septembre 2017, Saïd Bouteflika, il avait donné l'ordre باش يدخل عبد المجيد تبون الحبس. قبل le 10 septembre, qui n'hawa من le premier ministère. La mi-août 2017. Entre la mi-août 2017 et la mi-septembre 2017, un plan a été élaboré, échafaudé par Saïd Bouteflika et son entourage et ses alliés Ali Haddad et Kouninef باش يدخلوا عبد المجيد تبون الحبس parce qu'ils ont estimé que Tebboune les a trahis, a voulu pactiser à l'époque avec Gaïs Salah contre eux pour se préparer et devenir lui-même président de la République en prévision des élections présidentielles de avril 2019. En Algérie, Ajma, عرفوا مليح, toujours deux ans avant les élections présidentielles, il y a des problèmes. عرفوها مليح يا جماعة فهموا مليح باللي في وسان دو سيستيم الجيريان توجور دو زون سي اون ايتاب غير يلحقوا عامين قبل الانتخابات الرئاسية يبداو المشاكل يبداو لي كومبلو يبداو لا كار دي كلون كل واحد يوجد في روحه اللي راه حاكم البوفوار بدا بيه يزيد يريح وما يروحش اللي راه حاب يدير البوفوار يبدا يخلط ويكسر من هنا باش يدير البوفوار سي اون ايشيونس دو زون افون le deux ans, enfin, m'emmener deux ans avant les élections présidentielles, il y aura des problèmes. Le 10 septembre, c'est pour ça qu'il y a eu la crise de l'été 2017. La crise de 2017, qui a été directement, la crise de l'été 2017, elle a été directement reliée à la crise de sécession de Bouteflika en prévision des élections présidentielles d'avril 2019. Le 10 septembre 2017, عبد المجيد تبون كان راح يترفد نحاولوا كلش خلاو له غير وين يسكن في كلوب ديبا دو بيرسون اونت انترفوني باش يسلكوه نسيبو ملزي حميد ملزي نسيبو لازم على بلاش بلي حميد ملزي نسيب تبون اي جو مارات لا جو نو با اونتري دون لا في بريفي دي زان اي دي زوتر و سيتي او يحيى اللي سلك تبون سي احمد او يحيى اون بيرسون كي ا ايتي سونسيبيليزي بار دي زامي تبون راحوا يشوفوه قالوا له يا سي احمد سلك الناس سي تبون عسي عبد المجيد حبوا يحطوه في الحبس سعيد بوتفليقه حاب يحطوه في الحبس اكسيتيرا اكسيتيرا سي تو بلي انترفيان دوموند بوتفليقه دو نو با لو ميت اون بريزون حاجه ماشي مليحه سي غراف اكسيتيرا
C'était Ahmed Ouyahia qui est intervenu pour empêcher que le 10 septembre 2017, pour empêcher l'arrestation et l'emprisonnement de Abdelmadjid Tebboune. William, je vois subhanallah la vie comment la roue elle a tourné. William, c'est Ouyahia qui est en prison malade après avoir été bon kharjoum el habs à un moment donné hatof la résidence dans une résidence militaire la wilaya de Oran pour se soigner. On va l'adore dohl bchar. Aoudour le Habs, donc, on met Houssou qui fait chez Kharjoum, ça m'assabouche le mécanisme, parce que Tebboune ne veut pas qu'il soit libéré, Ouyahia. Et pourtant, c'était Ahmed Ouyahia, les seuls qui ont mis le Habs, c'est Tebboune. Chauffez-vous l'ingratitude, chauffez-vous la trahison, chauffez-vous le neuf, les mecs, les mecs, fakir chez le khair. Ahmed Ouyahia, où est-ce que c'est Tebboune? Et je défie Abdelmadjid Tebboune de me démentir. Et je défie l'entourage de Abdelmadjid Tebboune, il a fait la chikaya hadi, belle, c'était Ahmed Ouyahia qui est intervenu directement auprès de Saïd Bouteflika, où il a dit, non, monsieur Saïd, on ne peut pas faire ça, ça serait grave, arrêtez ça, ne le mettez pas en prison. Mettez-le à l'écart, chassez-le du pouvoir, enlevez-lui les privilèges, mais ne le mettez pas en prison. William Ouyahia, là, au fil habs, il trabote, ou Tebboune a eu le hakaya. Mais l'histoire risque de tourner. ومتبون شاف روحو ديجا كان فاهم وكان خايف انه راح يروح للحبس في سبتمبر 2017 سلك باسكو ويحيى ضرب عليه هذاك الوقت سلك باسكو صار الحراك تاع 2019 سلك باسكو جاي صالح لا ايديا دوفونير بريزيدون دو لا ريبوبليك كونتر contre le lobbying propre du clan de Gaye Salah à travers Wassini Bouazza, l'ancien patron de l'enseignement intérieur, et un certain autre, et beaucoup plusieurs autres généraux de l'armée algérienne qui voulaient mettre Mehoubi et pas Tebboune, mais Gaye Salah, il a dit non à ce lobbying, il a désigné Tebboune comme président de la République le 19 décembre 2019. Tebboune, elle appelle Lyon, le Kanichojum la présidence, en 2024, ou l'Aqbel 2024, ça va se terminer très très mal pour lui. Il n'y a que son immunité présidentielle qui le protège. C'est pour ça que cette immunité présidentielle, Abdelmadjid Tebboune fera tout pour rester président après 2024. Et pour qu'il puisse rester président avant 2024, il faut qu'il ait des adversaires, des concurrents, des personnalités influentes qui risquent d'être adoubés ou l'a soutenu et parrainé par l'institution militaire. Qui les conseillers de Oushafiq Mosbah Boualem Boualem, ou Allahum, Kalolo Billy, oui, c'est les Français, les Français le soutiennent, l'armée le soutient, Rahidilak un coup d'État, Rahidor Alik, Nhek, Bermen Hewak, Hnat Bouni a décidé de passer à l'acte, et Kébé Kolak Hanabel Arabiya, il y a eu Tarbeh, donc il a voulu décapiter l'Amamra. Pour le décapiter, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il lui fallait un prétexte. Le premier prétexte était directement la maladie, l'isolement sanitaire. Cet isolement sanitaire a permis à Tebboune et ses conseillers d'orchestrer une attaque. Ils ont appelé le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Sadir Chakib. Ou Kaloulou, tous les dossiers, tu nous les envoies à nous. Même bad, ils ont fait quelque chose de très grave. Pour justifier le limogeage, parce qu'il y a un remaniement ministériel qui est en cours de préparation. Il y a un remaniement ministériel qui devait intervenir le 4 janvier prochain. C'est le 4 janvier. On ne sait pas maintenant avec les problèmes qui se posent. Je pense qu'à cause du problème de la Mamala, ce remaniement ministériel risque d'être retardé, d'être reporté. Parce que est-ce que la Mamala va rester ou là? Je vais vous donner la réponse à la fin de l'émission. Abdelmadjid Tebboune voulait avoir un scandale, il voulait provoquer un scandale pour justifier l'élimination définitive de la Mama. C'est quoi le scandale? Le scandale, c'est l'ambassadeur d'Algérie à Washington. L'ambassadeur actuel d'Algérie à Washington, Ahmed Boutash, c'est l'ami intime de l'Amtan Lahmam. L'Amamra, il est intelligent. L'Amamra qui est le ministre des Affaires étrangères, Smah fait pareil. Chef Billy Tebboune ne voulait pas enlever Antar Daoud, ou Chef Billy Tebboune voulait travailler directement à Antar Daoud, ou Antar Daoud ne rendait pas compte à l'Amamra, ou il passait directement par Allah pour parler à Tebboune. Oujdel l'Amamra, pour contourner cette situation, il a placé deux de ses amis dans deux autres capitales mondiales importantes. Washington, Had Sahbou, Ahmed Boutash, ou à Moscou, Had Sahbou Ben Amara, qui est l'ambassadeur algérien
à Moscou. Son nom complet, Smaïl Ben Amara. Smaïl Ben Amara a été donc fait Moscou, Hagda, ou a été Ahmed Boutache fait Washington. Les deux, c'est des amis à lui. Huma ou Jderu, Huma Kalek Beli Boutache, comme donc le scénario, les deux, je m'arrête pour. Kalek, puisque la Mamara a rencontré Macron, secrètement, etc. Alors, ce n'était pas secret, puisque la Mamara, avant de partir à Paris, هضر مع تبون وقال له بلي جي بو اورغانيزي اون رونكونتر افيك ماكرون اي ماكرون اي بري مي رونكونتري است كو تي مدون لو فو فير قبل ما يطلع لو 13 نوفمبر 2021 باري وعبد المجيد تبون قال له وي تي بو لو رونكونتري سي تري انتريسون بافو رونكونتر لو يعني اي نو سي با اوبوزي است كو لو رونكونتر باش تفهموا ليبوكريزي مي من بعد دارت ناعوره دارت اي زون ايفولو يوتيليزي سات رونكونتر contre la maman lui-même.